sujet du temple. Vous travaillez à l'Institut du Mont du Temple et ma première question était de savoir l'Institut du Mont du Temple, c'est quoi? Quel est son but? L'Institut du Temple a été fondé il y a plus de 30 ans maintenant par le Rav Israël Ariel, qui était commandant dans l'armée israélienne et qui a fait la libération de la vieille ville de Jérusalem. Et donc il a créé cet institut pour pouvoir donner l'accessibilité à la connaissance du Temple de Jérusalem, donc au public le plus large. Mais il n'a pas fait seulement des cours pour transmettre, mais également avec toute une équipe, c'est-à-dire de refaire les objets, de refaire les ustensiles qui doivent servir pour le troisième temple. Donc ce n'est pas, pas un rêve, mais une réalité. Évidemment, le temple est un rêve, parce qu'on le souhaite pour qu'il soit reconstruit, mais l'Institut travaille pour sa reconstruction effective. Et donc sa reconstruction effective, c'est les objets qui étaient déjà à l'époque dans le temple, qui sont refaits à l'identique, qui sont conformes à ce qui est écrit dans les textes, que ce soit le chandelier, les tables de pain, l'autel des offrandes, donc tous les ustensiles, les trompettes, tous les ustensiles qui servaient à la musique, mais aussi à l'olivation des vins, de l'eau, également pour les sacrifices, ils sont refaits à fur et à mesure, à l'identique, dans les matières, or, argent et cuivre, puisque c'était les trois matières que Dieu a demandé à l'homme d'utiliser pour la construction du temple. Donc, les ustensiles, là, c'est vous qui préparez tous les ustensiles pour la construction du troisième temple. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes, bien évidemment, en dehors de la construction physique de ces objets, nous réalisons des livres, des cassettes, c'est-à-dire des DVD, des cours qu'on donne dans le monde entier pour, justement, comme je le disais au départ, c'est de le rendre accessible à tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir étudié dans sa vie les textes profonds de la Torah. Souvent, ils ont étudié des textes qui sont bien après écrits par des hommes et souvent, ils ne quantifient pas l'importance du temple. Ils sont dans des prières, en une ferveur, ce qui est une très bonne chose. Mais souvent, ce n'est pas lié à un avenir. Or, nous avons un projet d'avenir que Dieu nous a donné, c'est la reconstruction du troisième temple. Et la construction du troisième temple, comment ça va se faire? Donc, parce que nous savons que dans l'emplacement, il y a les mosquées, donc le coupole d'or. C'est quoi, vous allez détruire les mosquées, comment ça va se faire? Alors, effectivement, c'est toujours la question qu'on nous pose, mais il y a une coupole d'or, il y a une mosquée, l'Aqsa, qui est actuellement à côté, puisque je rappelle à tous ceux qui nous écouteront qu'il n'y a pas l'esplanade des mosquées, ça n'existe pas, il n'y a qu'en France qu'on appelle l'esplanade des mosquées, dans le reste du monde, on appelle l'esplanade du Mont du Temple. Oui. Et en France, il y a une petite connotation qui fait qu'on transforme le terme et qu'on dit les mosquées. Or, il n'y a pas de les mosquées, il n'y en a qu'une, c'est celle de l'Aqsa. La coupole d'or n'est pas une mosquée, c'est là où il y a la pierre de fondement, c'est la coupole qui protège, si on veut, la pierre de fondement, où il y avait la Akatat Yitzhak en hébreu, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac, qui n'était pas un sacrifice, bien évidemment, qui était pseudo-sacrifice. Il y a eu le rêve de Jacob, il y a eu la création d'Adam et d'Ève également. Donc, juste là, l'emplacement du... Ah, c'est exactement à cet emplacement-là. Donc, viendra un jour où il y aura... C'est là aussi qu'on a construit le premier temple et le deuxième temple après. Donc, il faut savoir, il faut se rappeler qu'avant la construction du temple physique sur Jérusalem, sur cette esplanade, il y avait un temple portatif après la sortie d'Égypte, qui a duré, qui s'appelle le Mishkan, qui a duré, il ne faut pas oublier, 480 ans, c'est-à-dire 40 ans dans le désert, mais encore 440 ans à l'intérieur du pays. Oui. Jusqu'à que Salomon a construit le premier temple et a inauguré ce premier temple. Ce premier temple a duré 410 ans, jusqu'à sa destruction par Nabucodonosor, et ensuite, il y a eu 70 ans d'exil du peuple,
retour du peuple au même endroit, oui. Reconstruction de ce deuxième temple, du début de reconstruction, et bien après, Hérode a fait l'esplanade comme il était pour longtemps dans le deuxième temple, jusqu'à sa destruction en 70 de l'ère que nous vivons actuellement. À vrai dire, c'est pas 70 de notre ère, puisque notre ère c'est 5775, donc c'est depuis la création. Donc 70, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque 70 c'est un terme qui a été donné par des hommes à un moment donné pour refonder le calendrier, et c'est une date comme ça très aléatoire. Mais je me rappelle de 70, parce que beaucoup de gens connaissent 70, puisqu'ils vivent dans un monde, donc dans un calendrier solaire. Donc, ce temple a duré 420 ans, et il faut aussi se rappeler que donc 480 ans, 410 ans, 420 ans, donc vous voyez combien de temps le temple a fonctionné avec la présence divine, jusqu'à sa destruction, comme on l'a dit en 70, et nous pleurons ce temple depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans, et nous pleurons ce temps. Pourquoi? Parce que chaque juif, à chaque fois, au jour de Pessah, au jour de la Pâque, on dit dans toutes les tables juives, l'année prochaine à Jérusalem reconstruit, quoi reconstruit? Pas des maisons, mais le temple de Jérusalem. Donc nous avons un projet, tous les juifs du monde ont ce projet de reconstruire le temple de Jérusalem, et c'est un projet qui est resté dans nos cœurs, et qui est vraiment le projet qui doit être pour les nations. Donc la construction du temple, c'est réellement quelque chose qui va se faire. Donc il y aura un temple qui sera construit à l'emplacement. Tout à fait, parce que les écrits nous le disent, les prophéties nous le disent. Toutes les prophéties se sont avérées exactes. Et le troisième temple, la prophétie, ce troisième temple sera reconstruit, ne sera plus jamais redémoli. Mais il faut se dire aussi que ce temple sera un lieu de paix et de prière pour Israël et pour toutes les nations. Parce qu'à l'époque du temple, il faut se rappeler que les religions n'existaient pas. Je le dis souvent. Souvent, les mouvances religieuses sont nées au moment de la destruction du temple. Le temple est tombé en 70, et ensuite il y a eu les mouvances religieuses, et plutôt que de relier, parce que le mot religion veut dire relier, plutôt que se relier au Dieu créateur du monde, on s'est divisé, et donc divisé, ça veut dire qu'on a divisé les hommes, et on n'a sans doute pas prier pour un Dieu créateur du monde. Et chacun veut son Dieu, pense qu'il a raison, parce qu'il est en grand nombre, alors que c'est complètement illusoire. Dieu sait qui il a, qui sont ses ouailles qu'il a créées, et il a demandé à Israël d'être le porte-parole des nations, c'est-à-dire pas seulement le porte-parole, mais celui qui va travailler pour que ce troisième temple soit reconstruit et qu'il fonctionne. Comme à l'époque des deux autres temples, Israël avait la fonction de travailler pour que les nations puissent venir par millions. Et toutes les nations venaient du monde entier, d'Asie, d'Europe, d'Afrique, ils venaient en grand nombre pour voir Dieu dans sa résidence. Et Dieu a édicté des us et des coutumes qui seront également dans le troisième temps, puisqu'on les connaît déjà, puisque ceux qui étudient profondément les textes connaissent très bien ce qui va se passer pour ce troisième temple. Et donc, quand il y a des gens qui veulent la propriété, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'esplanade, ils pensent qu'ils ont, ça y est, ils ont réussi, ils ont gagné. Ils ont gagné malheureusement pas grand-chose, puisqu'ils n'ont pas gagné la présence divine. Donc la présence divine est toujours là, même s'il y a la coupole. Même s'il y a les coupoles, vous savez, c'est pas les... C'est illusoire, c'est les hommes qui pensent que parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont présents à cet endroit, qu'ils ont tous les droits et ils pensent qu'ils ont raison. Ils vont vous empêcher de construire la... Alors, encore une fois, la construction, c'est pas physique, ce sera une construction physique, mais elle ne fait pas, ça ne sera pas fait avec un fait de guerre. D'accord. Pourquoi? Parce que si David, Salomon n'a pas eu le droit de construire le premier temple, Dieu a dit à David, non, tu ne construiras pas David de temple parce que tu as fait les guerres de conquête, tu ne construiras pas ce temple. C'est Salomon, ton fils, qui va le construire. C'est vrai que Salomon a construit le premier temple. Et donc, bien plus tard, quand on a pris
qu'on a reconquéri après tant d'années Jérusalem, qu'on a repris la terre d'Israël et Jérusalem de sa capitale. Et il y a, qu'est-ce que Moshe Dayan a dit, c'est-à-dire qu'est-ce que les maîtres ont dit à Moshe Dayan? Non, ne monte pas sur l'esplanade parce que ce n'est pas le moment. Le déclenchement, on le connaît, on sait comment il va être fait. Donc on n'est pas là pour créer un problème parce qu'on ne peut pas faire un lieu de paix par un fait de guerre. Mais sinon, comment ça va se faire si, parce qu'ils sont là, ils se disent que c'est leur endroit, c'est leur emplacement. Et maintenant, les Juifs aussi disent que non, c'est là où le temple doit être construit. Et maintenant, on ne sait pas comment ça va se faire. Alors, je sais, quand on parle de ceux qui sont actuellement sur l'esplanade du temple, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand ils prient, ils prient à l'opposé de la Shrina, de la présence divine. Oui. C'est-à-dire qu'ils se prosternent vers la Mecque, et alors qu'ils ont, je m'excuse du terme, le derrière, qu'ils tournent le dos à la présence divine. Alors quand on dit que cet emplacement est saint, on ne peut pas tourner le dos à la sainteté. Oui. Et donc c'est pour ça que c'est un peu délicat quand on dit, on croit que parce qu'on est nombreux, on a la propriété. Pour l'instant, Israël ne veut rien faire militairement. Oui. Pourquoi ? Parce que si Israël voulait faire quelque chose militairement, en un jour, tout ça, ce sera... c'est pas un problème pour le Sahel. En un jour, tout sera, disparaîtra, même s'il y a les bruits du monde entier. C'est pas grave. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire un lieu de paix. Le lieu de paix, c'est pour que tout le monde reconnaisse qu'il soit d'accord. Viendra le jour où Dieu se révélera, et c'est très proche. Et tout le monde verra les choses extraordinaires qui vont se passer, qu'on connaît déjà, et les hommes viendront et reconnaîtront, pour les ennemis, disparaîtront d'une façon tout à fait naturelle, malheureusement, puisque c'est Dieu qui mettra la main sur d'abord les ennemis d'Israël, parce que qui bénit Israël sera béni, qui maudit Israël sera maudit, donc c'est bien marqué dans la Torah, dans la Bible, donc tout le monde peut le lire, et la Bible est donnée par Dieu à Moïse, donc ce n'est pas un livre qui a été écrit par des hommes. Donc, si vous voulez, nous avons un avenir qu'on connaît. Nous savons que les choses vont se faire très rapidement. Donc, nous avons une force qui est différente de celle qui veulent une conquête ou une force par rapport à leur nombre ou par rapport à une religion, par rapport à des doctrines. Nous n'avons pas besoin de doctrine. C'est pour ça qu'on ne se convertit pas beaucoup de personnes. On n'appelle pas la conversion. On a un peuple qui est petit par rapport aux autres peuples, et Dieu l'a voulu ainsi, mais nous avons la connaissance profonde, depuis tout petit, de la parole divine. Et à fur et à mesure, on essaie de la transmettre pour que chacun puisse acquérir, s'il le souhaite, cette parole. Mais beaucoup ne souhaitent pas, ils sont dans leur mutisme intellectuel ou dans le mutisme religieux, ils ont, eux, la science infuse. Alors on dit, bon, on ne va pas se battre avec eux, loin de là. Au contraire, on veut la paix, le shalom avec tout le monde. Et je voulais aussi savoir, la Bible parle des 12 tribus d'Israël. Alors, est-ce que les 12 tribus d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, ces 12 tribus existent ou c'était juste à l'ancien temps ou jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la tribu de Juda, la tribu de Manassé, la tribu de... Les tribus existent, la seule chose qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas les quantifier tous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'autorisation de mélange des tribus, de mariage entre les tribus. À l'époque, les tribus se mariaient entre elles, mais à partir d'un certain moment, Dieu a accepté que les tribus se marient entre eux, se mélangent. Donc, on sait que les tribus se sont dispersées dans le monde. Mais on sait aussi que viendra le temps de cette ère messianique où les tribus se révéleront de nouveau. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait des enquêtes sur des tribus perdues en Afrique. Et comme par hasard, c'est dans cette période-là. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ces tribus, ce temps viendra où les tribus reviendront sur Israël, les tribus perdues se renaîtront et se redéfiniront, comme en Inde,
en Inde, il y a des tribus perdues qui se sont révélées, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, etc. Donc je suis sûr que si on cherche bien au Congo, on en trouvera aussi. Et je suis sûr que d'ici peu de temps, toutes les tribus reviendront dans leur pays. Et comment vous avez trouvé ces tribus-là, comment? Par quel moyen vous avez trouvé les... Alors, souvent, c'est des personnes qui viennent en Israël et qui disent, nous sommes une tribu perdue, nous vivons dans tel endroit, nous avons les traditions juives, et venez nous, aidez-nous parce que nous sommes une tribu. Et on va là-bas, on va sur place, et effectivement, souvent, on découvre que c'est des gens qui parlent souvent hébreu, ou ont des termes en hébreu, même si dans leur patois, ils ont même des termes en hébreu. Ils ont des traditions hébraïques, et ils ont perdu cela avec les générations, et avec l'assimilation dans le monde. Mais il y a beaucoup qui ont gardé ces traditions. C'est comme les maranes en Espagne. En Espagne, à un moment donné, avec Isabelle qui a fait partir tous les juifs d'Espagne, où ils se convertissent, où ils partent, où on les brûle. Alors, effectivement, il y en a qui se sont cachés, qui sont restés en Espagne, ils sont cachés. On retrouve à peu près la mesure des juifs de cette époque-là, parce qu'ils ont des traditions cachées, que leurs grands-mères leur ont laissées, et après ils reviennent maintenant en disant « Mais pourquoi moi j'allume par exemple des bougies dans une armoire, deux bougies tous les vendredis ?» Alors que c'est une tradition tout à fait juive. Et ils fermaient l'armoire, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les maranes, ils n'avaient pas le droit, il fallait qu'ils se cachent. Donc pour garder les traditions, les mères faisaient ça dans les armoires, et ils fermaient comme ça pour qu'à l'extérieur on ne puisse pas voir. Et c'était génération en génération, ces personnes ont gardé cette tradition. Donc on sait que ces personnes sont d'origine marane et donc d'anciens juifs. Et maintenant là, je pense que vous allez aller aussi au Congo pour voir s'il y a aussi des tribus juives qui sont... Ah, c'est bien possible. Vous savez, la réaction de certaines personnes au Congo, certaines personnes qui sont... Congo démocratique. Démocratique, bien évidemment, qui sont à la recherche de leur identité, qui sont à la recherche de quelque chose de vrai, d'une vérité, il y a sans doute quelque chose à l'intérieur. Puisqu'il ne faut pas oublier que les enfants de Moïse étaient noirs, puisqu'ils s'étaient mariés avec une fille éthiopienne. Donc, on sait que donc c'est parmi les tribus. Et quand on va chercher comme ça des choses vraies, qu'on essaie de trouver, alors en ce moment-là, il se réveille à fur et à mesure des traditions qui sont des traditions qui étaient du peuple, qui sont du peuple juif, du peuple de base, et ils reviennent à fur et à mesure, et on se réveille en disant « Ah, mais c'est extraordinaire !» parce que et alors que nous ne cherchons pas à convertir qui que ce soit, je répète encore une fois, mais c'est eux-mêmes qui viennent parce qu'ils ont une vérité. Ils voient qu'il y a quelque chose de vrai, et il n'y a pas quelque chose de tronqué. Vous savez, quand on parle du temple de Jérusalem, tout le symbole de chaque objet, on en a parlé quand on était au temple, à l'institut, chaque objet a un message qui est profond que Dieu nous a donné. Et c'est rester dans la vérité, de l'amour de l'autre, de l'amour de Dieu, mais comment on peut avoir l'amour de Dieu? C'est en ayant l'amour des hommes. Et un maître nous enseigne que, il y a son élève qui dit « Maître, je sais que vous connaissez les chemins de Dieu, vous connaissez la porte qui ouvre vers Dieu, donnez-moi-la. » Elle dit, écoute, je ne connais pas la porte directement de Dieu, mais je sais que celle qui peut la rapprocher de cette porte, c'est l'amour de l'un pour l'autre. Alors, commence à avoir l'amour de l'un pour l'autre avec tes amis, et tu verras que les portes de Dieu s'ouvriront très vite, tu trouveras très vite la porte de Dieu. Et ça, c'est effectivement des choses qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, on peut pas paraître, c'est-à-dire être dans le mensonge et vouloir transmettre quelque chose, une vérité. Celui qui est en face de vous, eh ben, il le constate, il le voit. Ce que vous dites avec votre cœur rentre dans le cœur de l'autre. Mais si vous êtes une façade, si vous jouez un rôle dans la vie, à ce moment-là, eh ben, très vite cette façade, elle n'existe plus parce que c'est que de la façade. Et d'ailleurs, c'est quand on parle de l'Arche d'Alliance, c'est justement la preuve que l'homme et que les deux personnages qui sont sur l'Arche, l'homme et la femme, et les ailes déployées, ne peuvent se regarder l'un l'autre que s'ils regardent vers le bas. Qu'est-ce qui était dans le bas?
c'est l'état de la loi, c'est-à-dire la loi qui nous permet de comprendre comment être dans la vie. Mais si on est seulement dans le paraître, c'est-à-dire oh, c'est joli, c'est un or, c'est formidable, c'est un objet saint, mais si on ne sait pas ce qui est à l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est comme une maison, une école que vous avez au Congo, des grandes écoles, qui sont, Dieu merci, des écoles religieuses bien souvent, on leur apprend la morale, la fin d'être, mais si dans cette école, ce serait que les murs, il n'y a personne à l'intérieur, ça ne sert pas à grand chose. Et parlez un peu de l'école. Ici, d'enseignement juif, La base de l'enseignement juif ici en Israël, c'est l'hébreu. C'est-à-dire l'hébreu, pas l'hébreu parlé, c'est aussi l'hébreu parlé, parce que c'est la langue du pays, mais c'est la morale juive, c'est-à-dire la Torah. Parce que si on est que dans l'extérieur, c'est-à-dire dans les mathématiques, dans les physiques, dans tout ce qui est science, il ne faut pas les condamner, parce que les sciences existent, mais les sciences ne peuvent exister que si on est effectivement dans la Torah. Et il est marqué que les sciences et la Torah se réuniront un jour. Pourquoi ? Parce que tout est déjà marqué dans la Torah. Aujourd'hui, on découvre une étoile par des grands satellites, on dit « Ah, on a trouvé une étoile !» Alors que dans la Torah, toutes les étoiles, tout est déjà dedans. Donc nous, il n'y a rien à découvrir parce qu'on sait déjà le nombre d'étoiles, le nombre de planètes, on sait tout. Tout est dans la Torah. Mais seulement, il y a des chercheurs qui ne considèrent que la Torah, c'est une histoire révolue. Nous, nous sommes des chercheurs, nous avons trouvé une planète, alors que c'est déjà marqué dans la Torah. Seulement, comme on n'étudie pas la Torah profonde, alors on pense, ah, nous avons réussi, nous sommes quelqu'un. Et c'est pour annihiler Dieu, c'est-à-dire pour qu'on dise Dieu n'existe pas. Vous voyez bien que Dieu n'existe pas, alors que Dieu nous avait déjà tout donné. Donc est-ce qu'il y a une différence entre les écoles juives et les autres écoles, par exemple, d'autres lycées laïques? Tout à fait. Parce que c'est la différence. Les écoles juives, d'abord, il faut savoir que souvent... Parce qu'il y a aussi dans les mathématiques, tout. Mais la différence... La différence, c'est que c'est des gens, en général, quand ils sortent, ils créent un foyer, ils créent une famille, ils ont un travail, et ils sont dans la Torah, dans l'étude, et dans leur famille, et dans un travail tout à fait contemporain. Bien souvent, dans le monde où il n'y a pas de Torah, souvent, leur famille, on la crée bien plus tard, parce qu'on privilégie les études, parce qu'on va être un grand savant, ou alors donc on se réveille. On voit dans l'Europe, on voit dans le monde entier, où on commence à penser à se marier à l'âge de 35 ans. Alors on commence, quand on a fini ses études, on commence un cabinet dentaire, médical, avocat, tout ce que vous voulez. Alors on commence à dire, maintenant je pourrais créer un foyer parce que j'ai les moyens. Alors c'est là où c'est le plus difficile. Parce que la personne qui a le même âge, c'est une femme où elle est mariée depuis longtemps, enfin c'est des jeunes qui sont déjà mariés, ou alors elles ont également privilégié les études. Donc la morale n'est pas du tout la même. Mm-hmm. Parce que le foyer, bon d'accord, on fait un foyer parce que ça, il faut créer un enfant, pour créer un enfant. Mais peut-être un deuxième, éventuellement. On est en train de mener des vivres avec des femmes. Évidemment, après il n'y a plus de morale, puisqu'il n'y a pas d'apprentissage de morale, donc on peut tout faire, on peut tout essayer. Donc, tout essayé avant, d'ailleurs, souvent. Dans les écoles laïques, il met l'accent sur, disons, la réussite sociale. La réussite sociale, exactement. Et chez les juifs, il privilège la famille. Mais évidemment. Pour nous, être juifs, ça ne peut pas être sans la famille. Ça n'existe pas, c'est le privilège. Les jeunes se marient à 19, 20 ans. C'est très souvent, très rarement, beaucoup plus pour les gens religieux, et fondent un foyer, et quand ils font leur armée, parce qu'il y a beaucoup qui font leur armée pendant 5 ans, 7 ans même pour certains, et ils ont déjà leur foyer, ils ont déjà leurs enfants, et ils sont à l'armée, et ils ont leur foyer, et tout va bien parce qu'il y a un arrangement, et la femme s'occupe, l'homme s'occupe. Et c'est des foyers qui ont en général 5, 6, 10 enfants, en général. Parce qu'il y a un amour fantastique dans les familles, parce qu'il y a le Shabbat, il y a les fêtes, on marque les choses.
et on n'est pas comme un zombie, excusez-moi du terme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui se lève le matin, couche le soir, pour le business, on pense que tout, c'est nous. C'est-à-dire que tout est fait par nous-mêmes. Alors que je dis que Dieu fait que nous sommes en bonne santé éventuellement pour faire. Si Dieu fait quelque chose, ou ouvre une porte ou ne l'ouvre pas. Et vous savez, souvent, on oublie de donner. Vous savez, la dîme est une obligation. Et souvent, Dieu dit, mais tiens, tu ne donnes pas la dîme. Tu verras que je l'enlève un jour ou l'autre. Je t'enverrai ce que tu n'as pas donné. Elle dit, comment? Ben non, moi, je suis riche. Alors, effectivement, cette personne est riche, mais est-ce que cette richesse, il oublie qu'il y a un monde d'ici et un monde après. C'est-à-dire qu'il peut accumuler des richesses ici, et un jour, il disparaîtra comme tout le monde, il laissera tout. Ici, on lui prendra tout. D'une façon naturelle, on lui prendra. Parce que comme il a oublié d'avoir des enfants ou des petits-enfants, et que même sa fortune ne servira à rien, eh bien, celui-là, on dira, ben, t'as vu, t'as pas donné, t'as mis mon moment, t'as pas fait ce qu'il fallait, ben, finalement, tu n'as pas eu d'enfant, ou tu as eu des enfants qui dilapident ce que tu as fait, parce que souvent, la troisième génération, il ne reste plus rien, parce que les parents ont accumulé les richesses, le deuxième profite, le troisième, il dilapide ce qui reste. Et finalement, parce que leur idole, et c'est une idole, c'est l'argent. C'est d'abord de l'argent, l'idolâtrie en première, c'est l'argent et l'or. C'est l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu nous donne dans le temps de l'or et l'argent. Mais il dit, attention, cet or, cet argent, ce n'est pas des idoles. C'est, je vous ai demandé parce que je vous ai dit de faire ça avec ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas l'or qui est important. C'est le message que je vous donne à travers ça. Si quelqu'un a une pièce d'argent ou d'or et il ne sait pas qu'il faut la partager, et qui pense que tout ce qu'il accumule, c'est pour lui-même, il n'a rien compris du tout. Parce que Dieu lui a donné quelque chose pour qu'il le transmette. C'est-à-dire que c'est une courroie de transmission. Et s'il pense que tout, ah non, Dieu me l'a donné, ou même s'il est croyant, Dieu me l'a donné, donc bon, je vais donner une pièce comme ça pour... Non, c'est pas ça. On donne 10% de ce qu'on a. Zacharie 4, 11, nous parle des dés oliviers. Oui. Des dés oliviers. Alors... souvent, j'entends sa prédiction, c'est l'olivier greffé sur les racines, donc les nations greffées sur l'olivier réel. D'abord, il faut savoir que l'olivier est un arbre qui ne meurt jamais. Donc, c'est l'image du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne meurt jamais. Et toutes les générations ont voulu détruire Israël, et on a vu malheureusement combien le monde a été barbare. Pour éliminer au moment de la Shoah, au moment de la destruction massive des Juifs, alors effectivement, malheureusement, nous avons perdu 6 millions de personnes, mais aujourd'hui, nous avons un pays, nous avons plus de 6 millions qui sont là, nous avons la majorité des Juifs en Israël aujourd'hui par rapport au reste du monde, et vous voyez que c'est une revanche de l'histoire, parce que ce n'est pas une revanche, mais Dieu, il ne peut pas, on ne peut pas le tromper. Il fait des choses, il laisse faire les choses, mais il dit « mon peuple, c'est mon peuple ». Et une mort physique au peuple juif n'est que provisoire. Parce qu'on sait qu'il y aura un monde futur avec une résurrection pour les justes. Donc de toute façon, on pleure toujours nos morts, bien évidemment, comme vous le faites, comme beaucoup le font. Mais d'un autre côté, on sait qu'on va les retrouver. On sait qu'il y a un avenir. Il y a quelque chose après. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, quand on parle d'olivier, on sait que l'olive est très forte. Et l'olivier, sachez que l'olive est comparée aussi au peuple juif. Pourquoi? Parce que vous savez que l'olive, d'abord, il faut la cueillir. Le fruit, il faut le cueillir. Pour en faire de l'huile, il faut la concasser, la pressuriser dans des machines. Avec des meules, d'accord? Vous le savez aussi bien que moi. Pour en faire sortir quoi? Le meilleur de l'huile pour allumer la menorah, pour la lumière. Et bien le peuple juif, c'est pareil. On l'a opprimé, on l'oppresse, on lui crée des problèmes, et en finalité, ce qui reste, c'est justement cette huile d'olive pure pour allumer la lumière de la menorah, qui est la lumière du monde. Donc les dés oliviers, c'est... Je ne sais pas, les dés oliviers là que vous, dans Zacharie 4, 11, là, c'est
Israël Oui. C'est Israël. C'est l'olive, l'olivier, c'est Israël. C'est Israël. De toute façon, c'est imagé. Dans le Torah, c'est écrit, c'est des oliviers, là, ils feront des miracles. Oui, ouais. Mais l'olivier, c'est une image. Ce n'est pas l'olivier en lui-même. Non. C'est ce que représente l'olivier. C'est-à-dire que l'olivier, justement, comme on dit qu'il ne meurt pas, et qu'il apporte la lumière pour le chandelier. Et le chandelier, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement la lumière, si on peut dire uniquement non, mais c'est la principale. C'est dans le temple, c'est la lumière qui jaillissait de l'intérieur vers l'extérieur. Il fallait utiliser l'huile d'olive, première pression, la plus pure, pour qu'elle jaillisse vers l'extérieur. Mais ce n'est pas la lumière de la menorah qui est importante. C'est de comprendre le cycle de sept lumières. Les sept lumières, c'est les créations du monde. C'est de dire, Dieu, tu as créé le monde en six jours, le septième, tu as arrêté tout. Donc, comprendre le message divin. Et pour comprendre ça, si on comprend et si on applique la loi de Dieu, à ce moment-là, ce n'est pas la menorah qui est la lumière, c'est nous. Parce que c'est nous qui allons transmettre la lumière à l'extérieur. Et c'est ça qui est important. C'est que chacun peut être la lumière pour l'autre, à condition qu'il ait compris la base essentielle du temps de Jérusalem. D'accord. Et pour la venue du Messie, c'est que vous attendez la venue du Messie, je ne sais pas comment ça va se passer, comment les Juifs vont reconnaître que le Messie est là. Alors, comment ça va se faire? Ne vous en faites pas. Nous savons très bien que le Messie va venir. Il y a d'autres Juifs et qui pensent que le Messie est déjà là. Non, non. Aucun, dans le judaïsme, aucun Juif ne pense que le Messie est déjà là. On sait très bien, c'est pour ça que je vous ai dit, l'année prochaine, à Jérusalem reconstruit, parce que ce sera avec la reconstruction du temple. Mais le Messie ne peut venir qu'avec un miracle divin, puisque c'est lui qui va faire venir le Messie. Nos maîtres nous enseignent que le Messie est déjà là. C'est-à-dire qu'il est déjà quelque part, il ne se révèle pas encore, mais il est déjà là. Il est déjà là. Il y a des maîtres qui disent qu'il est déjà à Jérusalem. D'accord? Mais, donc c'est très proche. Et il se révélera d'une façon tout à fait extraordinaire, parce que les choses se font par Dieu lui-même. Alors, le Messie, c'est pas lui qui va faire les miracles. Parce que souvent, on dit, ah, le Messie, c'est le porteur du miracle. Non, le miracle, c'est Dieu qui va le faire. C'est le Créateur. Le Messie est un envoyé de Dieu, qui va nous dire qui est qui va faire quoi, comment on va construire le temple. Mais dans les Torahs, le Messie, c'est Dieu lui-même? Non, jamais. Jamais. Dans la Torah, jamais un envoyé est Dieu lui-même. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai fait l'homme à mon image, mais ce n'est pas une image physique. Il a fait un homme à son image pour le potentiel qu'il a de créer un monde ou de le démolir. Ça, c'est dans d'autres mouvances religieuses qu'on dit que le Messie, Dieu a mis un homme en Messie, etc. C'est l'image de Dieu et c'est Dieu lui-même. Non, ça n'existe pas. Moïse avait parlé avec Dieu directement. C'est le seul homme d'ailleurs qui parlait avec Dieu. Et pourtant, Moïse n'a jamais vu Dieu. Et Moïse n'était pas considéré comme Dieu. Alors qu'il lui parlait à Dieu en permanence. Mais Dieu a dit, celui qui voit ma face mourra. Mais est-ce que vous allez comparer Moïse et le Messie? Est-ce qu'ils sont pareils ou... Alors, pour certains maîtres, Moïse sera le nouveau Messie. Pour certains d'autres, ce n'est pas lui, ce sera un autre, c'est le fils de David, de toute façon. Mais pour certains, Moïse sera également nouveau présent pour nous guider. Puisque c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Israël, parce que Dieu lui a dit, tu rentreras au moment de l'avènement du Messie. Tu rentreras, tu seras nouveau le guide et tu rentreras en Israël au moment où ça arrivera. Mais vous savez que Dieu fait bien les choses. Parce qu'on dit, mais comment on va reconnaître en Afrique, comment en Asie, comment on va voir le miracle? Alors, je vous rappelle que chacun aujourd'hui a un portable. Il a un portable, un téléphone portable, il a un écran, une plaquette, un écran qu'ils ont partout. Et au même moment, tout le monde verra exactement la même image au même moment. Toutes les autres images seront... Et ceux qui sont dans les jungles d'Afrique où il n'y a pas... Parce que souvent, chez les Juifs, ils n'acceptent pas la télévision chez...
Alors, ils ont des portables. En général, ils ont des portables. Ça verra. Mais de toute façon, vous savez qu'il y a le téléphone juif qui marche très bien aussi. Et donc, de toute façon, vous savez, le miracle, tout le monde verra. Ne cherchez pas à savoir comment. On sait comment ça va se passer. On sait comment, sur le mont du Temple, comment ça va se passer. On sait tout, déjà. Mais on sait très bien que tout le monde sera d'accord. Alors, toutes les polémiques avant, qui est le Messie? Moi, j'ai raison, mais non, c'était le Messie que moi, je croyais, etc. Ne vous en faites pas. Celui qui est le Messie, tout le monde l'acceptera et tout le monde dira, on suivra le Messie avec la présence divine. Alors, vous savez, comme j'ai dit, on sera nouveau, on ne sera plus en religion, mais on sera relié. On sera relié à un Dieu, à un fait unique. Et ça, c'est important. C'est notre message en permanence. C'est-à-dire, comprenez que ce n'est pas la religion qui est importante, c'est d'être relié à Dieu créateur du monde. Parce que si on est relié à d'autres dieux, à ce moment-là, il dit, comment? J'ai dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'image de ton Dieu, tu ne feras pas d'effigie de ton Dieu, et dans le monde fleurit des images, des symboles, non c'est mon Dieu, ils n'ont rien compris, etc. Comment on peut se penser que Dieu ne voit pas ça d'un œil un peu bizarre, alors qu'il a donné dans les 10 commandements à tout le monde. Tout le monde connaît les 10 commandements. Comment il peut comprendre? Alors c'est pour ça que nous sommes tranquilles. Notre message est un message d'amour, de reliaison, comme le dire mon religion, religorer, c'est-à-dire te relier à un Dieu créateur du monde. Et ça va venir vite. C'est pour ça que nous n'avons pas de différence entre nous. Parce que nous sommes des êtres qui aimons l'homme, et donc qui aime l'homme, aime Dieu. D'accord. Je ne sais pas, la dernière question, c'était au sujet de... Donc, vous connaissez le rabbin Kadouri? Oui. Il n'est plus là. Il n'est plus là, oui. Mais il a repris. Il a parlé de la venue du Messie, disant que le Messie était déjà s'est révélé à lui, etc. Alors non, jamais le Rav Kadouri a passé d'un Messie qui est revenu à lui, pas du tout. S'est révélé. Le Messie va être, encore une fois, aucun ne parle, aucun maître en Torah ne parle d'un Messie qui est déjà. Mais vous venez de parler qu'il y a le Messie déjà quelque part. Là. Il est là, mais il ne s'est pas révélé encore. C'est Dieu qui fera en sorte que tout ça soit fait. Il se révélera au moment où Dieu le décidera. Donc il faut comprendre que le problème de l'homme, pour croire en quelque chose, il a besoin de voir quelque chose. C'est pour ça que Dieu lui a donné le temple. À vrai dire, le temple de Jérusalem, c'est pour ça que beaucoup disent « Oui, on a un temple céleste, un peuple n'a pas besoin d'un temple terrestre. » Alors que Dieu dit « Non. » Je veux ma maison sur cette terre. Et je rappelle que le seul qui n'a pas sa maison sur sa terre, c'est Dieu. Puisqu'avant, il l'avait, peut-être avec le temps, et aujourd'hui, il est dans le monde, d'accord, dans cette terre. Donc, Dieu dit, j'ai une maison. Mais seulement, les hommes pensent qu'ils ont besoin d'effigies, d'histoires, d'images d'un Dieu. Pour aimer ce Dieu-là. Les bouddhistes ont Bouddha, d'autres révèrent d'autres, ils ont besoin d'idoles. Or, quand on croit en Dieu, on n'a pas besoin d'idoles, on n'a pas besoin d'une image. On sait que Dieu est là. On n'a pas besoin de se faire une image de Dieu. On n'a pas besoin, c'est parce que c'est interdit. Donc, il ne faut pas. C'est pour ça que je dis que les Juifs ont un devoir de dire au monde et aux nations, enlevez vos effigies, vos idoles, vos images, parce que c'est quelque chose qui est en opposition avec ce que Dieu a demandé. Donc le Messie, c'est une personne physique, c'est une personne. Le Messie, c'est une personne physique que Dieu enverra au moment opportun. Et donc, mais encore une fois, c'est que nous serons prêts à le recevoir. C'est-à-dire que Dieu fera des choses et on sera prêt à le recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, tiens, ça y est, c'est lui. On reconnaît, il a l'image de ce que moi je connais à l'époque. Pas du tout, ça n'a rien à voir.
Comment c'est pas. Celui-là, je le connais parce que j'ai moi-même une image à la maison de celui-là. Non, pas du tout. C'est pas ça que ça se passe comme ça. Dieu fera des choses extraordinaires. Et de ce fait que ces choses extraordinaires se feront, alors tu me reconnaîtras le Messie qui viendra dans son temple et reconstruire le temple de Jérusalem. Mais on le reconstruira avec Dieu. Un geste qu'il y a un peu ici à Jérusalem, j'entends souvent parler de David, on parle de David, mais je n'ai pas vraiment entendu parler de Moïse, alors que c'est lui qui a libéré le... Alors, souvent nous... c'est David, quand on parle du temple, on voit David, on voit Salomon, mais on ne parle pas souvent de Moïse. C'est vrai, parce que quand on parle du temple, on ne peut pas parler de Moïse, puisque ouais. Moïse n'était jamais dans le temple, ouais. parce qu'il n'est pas rentré en Israël, ouais. d'accord. Mais toute l'étude de la Torah se fait à travers Moïse. Toute l'étude que nous faisons régulièrement tous les jours, du matin au soir pratiquement, des enseignements que je donne, que tous les maîtres donnent en général, ne parlent que de Moïse. C'est-à-dire que c'est Moïse qui a transmis la loi. On ne pourrait pas comprendre la loi sans Moïse, puisque c'est Moïse qui a reçu les tables de la loi, mais pas seulement les 10 commandements. Il a eu les 26 volumes de la Torah écrite, que vous ne connaissez pas, qui sont étudiés en permanence par le monde juif, pour les gens qui sont dans l'étude, bien évidemment. Et c'est des livres qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent les 10 commandements. Vous savez, je dis toujours, le 10 commandements, c'est un appareil ultra perfectionné. D'accord ? Ultra perfectionné, c'est comme un ordinateur extraordinaire. Il y a tout dedans, etc. Et vous l'achetez, et vous le branchez, et boum ! Vous l'avez complètement abîmé. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que le voltage n'est pas le même. C'était un 110 volts, et vous avez branché sur 220. D'accord ? Par exemple. Alors, la Torah, c'est-à-dire les 26 volumes et la Torah, sont le mode d'emploi pour comprendre les 10 commandements. C'est pour ça que dans certaines religions, qui n'ont pas la Bible en général, les enfants tuent, les enfants volent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas la même base. Parce que quand on dit à un enfant, tu ne tueras pas, pourquoi il ne tuerait pas ? Ce n'est pas les 10 commandements qui nous expliquent comment faire ou pas faire. C'est-à-dire qu'on nous dit, tu ne tueras pas, mais si on n'explique pas à l'enfant quelles sont les conséquences de ce qu'il fait, quelles sont les conséquences que Dieu nous a... Comment faire pour ne pas tuer? Comment être pour ne pas avoir envie de tuer? Ça, c'est la Torah qui nous donne. C'est le mot d'emploi. Mais si vous prenez simplement le texte des 10 commandements, il n'y a aucune raison qu'un enfant ne tue pas. Et c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas la Torah, qui ne se réfèrent pas à cela. Et pour ceux qui n'ont pas la Bible, et bien à ce moment-là, ils n'ont ni foi ni loi. Et c'est pour ça qu'on tue les enfants, qu'on tue on peut tuer, c'est pas un problème. Au nom d'une religion, on se met comme récemment devant un musée en Belgique récemment, on prend son fusil et on tue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune importance, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on n'a pas enseigné à ces gens quelles sont les conséquences. Et c'est pas même pas religieux, c'est politique. C'est pour avoir une force pour la terreur, pour montrer que nous sommes importants. Et malheureusement, c'est ce qui se passait dans le monde de génération en génération. Mais il viendra le moment où tout le monde s'aimera. Merci beaucoup. Shalom. Avec grand plaisir. Et j'espère que le message sera un message d'amour et que les gens le reçoivent comme ça. Et non pas un message de différence. Et c'est ça qu'il faut que vous essayiez de faire toujours, c'est de transmettre un message qui unit et non pas qui divise. Si nous avons aujourd'hui la chance d'être ensemble, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a fait que nous nous rencontrions depuis un certain temps ensemble. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, moi j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que Dieu nous a mis en commun pour que nous avancions ensemble pour sa venue et sa construction de la maison. Si nous n'avons pas compris ça, à ce moment-là, nous n'avons rien compris. C'est-à-dire, nous n'avons pas compris, nous pensons que c'est nous. Alors non, Dieu nous a mis ensemble parce qu'il y a un message derrière. Et ce message, c'est à vous de le transmettre, et à moi aussi.
Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, que vous ayez que des bonnes choses. On se revoit toujours dans les bonnes situations. Merci beaucoup. déjà dans la Torah depuis 3000 ans, depuis l'âge de Don. On a déjà tout le processus. Et quand les gens veulent dire, ah oui, mais on ne peut pas démolir la coupole, les musulmans, qu'est-ce que vous en faites? On dit, ne vous en faites pas, ça. C'est comme quand les chrétiens catholiques ou les chrétiens disent, ah, mais non, mais le Messie, on sait qui c'est. J'ai dit, mais attendez, comment vous pouvez savoir qui c'est? Puisqu'on sait que c'est un fils de David et qu'il va se dévoiler, etc. Mais non, on est sûr que ce soit ce Messie-là. Vous ne pouvez pas être sûr parce que le Messie en question, il ne peut pas, il vient de David. Or, s'il n'est pas de David, il ne peut pas être le Messie, puisque c'est marqué, sera un fils de David. Alors, c'est tout un. Les hommes veulent faire leur religion. Or, nous, ce qu'on veut transmettre à chaque fois, c'est qu'à l'époque du temple, il n'y avait pas de religion. Ça n'existait pas, les religions. On était reliés à un Dieu, qui est Dieu créateur du monde. On était tous reliés, on venait au temple de Jérusalem, on venait prier le Dieu créateur du monde. Et ensuite, quand le temple a été détruit, alors il y a eu des mouvances religieuses, il y a eu des religions. Et les religions ont fait que ça séparait les hommes. Alors que religion veut dire relier. Le terme religion veut dire relier. Et finalement, les religions font tout sauf relier. Ils font leur religion, ils font leur façon de fonctionner, mais c'est pas ça. Or, Dieu nous a tout dit, nous a tout indiqué, nous a tout donné. Il a dit, le troisième temple sera reconstruit, et ce sera un lieu de paix et de prière pour toutes les nations, pour Israël et pour toutes les nations. Et Israël prendra de nouveau son rôle de fonctionnement, de faire fonctionner le temple pour accueillir les nations. Donc, si je comprends bien la coupole d'or, là, ça va être détruit. Oui, elle va descendre tout seul. On détruira rien. Nous, ce n'est pas notre travail de faire un fait de paix, un endroit de paix, avec un fait de guerre, ça ne peut pas marcher. C'est un lieu de paix ne peut pas se faire avec un fait de guerre. À l'époque de Moshe d'ailleurs, quand il a pris Israël, a gagné la guerre de 6 jours, tous les maîtres ont dit non, on ne monte pas sur l'esplanade parce que ce n'est pas le moment. On ne peut pas faire un lieu de paix avec un fait de guerre. Or, David aussi voulait construire le temple. Et Dieu lui a dit non. David, tu ne feras pas le temple, tu as fait les guerres, c'est ton fils Salomon qui construira. Et c'est Salomon qui a construit. Donc, on sait très bien que si on voulait militairement, politiquement, faire la construction en un jour, ce serait fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les quelques milliers de personnes qui sont là qui vont gêner. Ce n'est pas ça. C'est que ce n'est pas le moment, Dieu n'a pas donné le moment. C'est nous qui poussons absolument à ce que le monde comprenne que le temple est indispensable. Pour le peuple d'Israël seulement, pour le monde entier. Et c'est pas parce qu'on est nombreux dans un quad et qu'on est sur l'esplanade actuellement que ça change quelque chose, pas du tout. C'est pas ça qui va changer. C'est comme ça maintenant aussi, je vais. Et c'est le problème. Le problème, c'est que souvent, on veut croire que parce qu'on est nombreux, parce qu'on est terroriste, parce qu'on fait de la terreur, on oblige l'autre à se convertir. C'était le monde chrétien, le monde musulman, toutes les religions veulent absolument convertir et dire c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons raison. Qu'est-ce que ça sert d'avoir raison? Le tout, c'est de dire on va construire la maison de Dieu. Ça, c'est ça le monde heureux. Si le monde construit la maison de Dieu, et qu'on y fasse ce que Dieu nous a demandé de faire, à ce moment-là, Dieu reviendra sur ce monde et il y aura une paix mondiale. Mais si on veut seulement prendre la place pour dire c'est nous,
si nous sommes les meilleurs, notre religion est la bonne. Ça sert à quoi? Et donc le temple, ça va descendre du ciel ou non. On va construire selon le modèle. Alors, nous construirons, parce qu'on a le plan, on a tout du troisième temple, on est déjà en train de préparer, ça fait longtemps. Mais il y aura effectivement le temple d'en haut et le temple d'en bas. C'est-à-dire que le temple d'en haut est déjà prêt. Le temple d'en haut, ce n'est pas matériel. C'est pas matériel, mais c'est le Dieu qui descend. C'est exactement, c'est-à-dire que le temple, c'est exactement les configurations du temple d'en bas, dans l'esprit de Dieu. Ouais. Mais il faut construire le temple d'en bas comme il l'a demandé, ouais, pour qu'il y ait équivalence entre le temple d'en haut et d'en bas. À ce moment-là, il y a paix. Donc, comme le temps de Salomon, quand il a terminé la construction du temple, il y a le temple d'en haut. Exactement. Il est descendu, c'est marié avec le temple d'en bas. Exactement. Et c'est pour ça que les flammes et tous les sacrifices ont été allumés par Dieu. C'est-à-dire que les sacrifices des senteurs qui se faisaient, c'est Dieu qui a allumé la flamme. On n'apportait pas une flamme étrangère. Et le sacrifice des animaux, c'était pareil. C'est-à-dire que c'est une flamme qui vient et allume le... Donc on a une équivalence parce que Dieu est présent à ce moment-là, à l'intérieur de son temple et bien évidemment dans le monde entier. Dieu est partout aujourd'hui encore. Et vous avez déjà trouvé la vache rousse, on ne l'a pas encore trouvée. C'est pour ça que lorsque viendra le moment, on est très proche de tout ça, on aura la vache rousse, on aura les nouvelles cendres, on aura la purification des Cohen, des prêtres, qui vont pouvoir officier, des lévites qui vont aider, etc. Tout ça, ça va se faire très rapidement en même temps. J'ai remarqué que vous parlez beaucoup de David, mais vous ne parlez pas beaucoup de Moïse. Moïse, c'est notre maître absolu. Parce que sans Moïse... Parce que souvent, j'entends David... Non, chez nous, c'est Moïse. Dans toute la Torah, c'est Moïse. Dans toute la Torah, il est marqué « Et Dieu parla à Moïse et à Aaron, à son frère. » On ne parle pas de David à ce moment-là. David, c'est seulement dans les psaumes. Ouais. On parle des psaumes de David, etc., comme c'est marqué dans les psaumes de David. Ouais. Mais dans la Torah, dans toute la Bible, on ne parle que de Moïse. Jusqu'à sa mort, on parle de Moïse et de Aaron. On dit, et Dieu parle à Moïse en ces termes, fais ce que je te donne et transmets-le à Aaron, qui lui transmettra aux Kohanim, qui eux transmetteront au peuple. Il y a des ennemis partout. Il travaille dans son corps. C'est pas seulement faire un service, mais c'est savoir pourquoi c'est un signe. C'est un signe. Pourquoi il vient de faire? Pourquoi il est là? Parce que ces jeunes, il y en a qui sont nés, ils sont de Russie, de l'Afrique, moins d'Afrique, il y en a aussi, des Tupis, des Noirs, il y a des gens qui viennent d'Amérique, et donc souvent ils n'ont pas la même histoire. Ils ont une histoire qui est la leur, le pays, et souvent ils ont intérieurement une autre histoire religieuse, c'est vrai, c'est vrai, et d'un autre côté, il faut leur répondre, ok, c'est vraiment important qu'on comprenne l'histoire du pays, l'histoire de la racine. Et ça, souvent, ils ne savent pas. Alors, ils passent juste les jours pour connaître le pays en même temps que leur service. Je ne dis pas que eux, 6 ans obligatoires. 6 ans après ils commencent à travailler, ils font leurs études, ils font leur bac, et avant de rentrer à l'université, ils font 6 ans d'armée. C'est après qu'on continue leurs études dans leur diplôme. C'est-à-dire que c'est avant qu'ils soient dans un domaine civil. Ils font le bac, le baccalauréat. Tous les enfants ici, sauf les gens religieux. Les gens religieux font un service civil. Ils font la même chose, mais civil. C'est-à-dire qu'ils vont dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire un infirmier forcément. Quand je dis religieux, il y a des religieux qui font l'armée. Il y a des cavures, des chars, etc. Mais il y en a qui. Voilà, il y a des gens qui vont dans les
première ligne, il y a des gens très, très, très solides religieusement, et on les envoie d'ailleurs en première ligne parce qu'ils sont dans la Torah. Parce qu'ils sont, ils savent que dans la tête, ils ont le défense du pays. Ils sont les plus grands, les meilleurs militaires, les ceux qui vont au combat en première ligne. Mais souvent. C'est comme c'est appelé Gershon. Oui, Gershon. Il était soldat, mais le Ravariel était soldat, il était commandant de l'armée israélienne, c'est lui qui a fait la libération de la ville de cette ville. C'est qui? Le Ravariel, le fondateur de l'Institut du Temple. Israël, commandant de l'armée israélienne. Il a fait la libération de la ville, il était parachutiste. Et il a fait la libération de d'ici. Donc c'est pour ça qu'il a créé l'Institut, etc. Parce qu'il était déjà dans la connaissance. Mais tu veux, tu comprends, c'est pas seulement c'est pas un pays comme les autres. Et on veut dire que c'est pas un pays comme les autres. On le considère comme un pays comme les autres, on n'a rien fait. Les autres voudraient qu'on soit un pays comme les autres. Mais on n'est pas un pays. Parce que nous avons des responsabilités. Because if you as a parent have an idea of what is a good education for your child, what kind of teachers you want to be standing in front of your child, you have a choice. You could send your child to the school of your choice and pay money. Or you could send your child to the public school, which you have to pay for anyway. So if school were a natural monopoly, like a drainage system on the street, you can't have 20 drainage systems on the street, right? So then you have to have one school, and you have to hold your nose, and you know, maybe it's not the best thing, but that's the best you can do. But school is not a natural monopoly. You could have 20 schools in one neighborhood, each one with a different program. Each one with a different program, educationally, religiously, scientifically, whatever you want. And the parents can have a choice of where to send their children. A school doesn't have to have 1,000 students. A school could be 10 students sitting around a table. Literally, 10 students sitting around a table. It doesn't cost a lot of money. But the school system, as it's established in the United States and in many civilized, supposedly civilized countries, has a free public school system. And the parents are given this choice. So I mentioned that one of the great driving forces to the establishment of free public schools in the United States was the fear on the part of Protestants of the Catholics who were coming to Massachusetts. I don't know what your background is. I know. So the Protestants were afraid of the Catholics. So they said, what can we do about this? We will establish free public schools. We will tax everybody to pay for these schools. And we will take the Catholic children away from their parents. That's what they did. And then later, when waves of immigrants who were Jews came to New York, New York was very good to follow the example of Massachusetts, they also established free public schools. So the religious Jews who came to the United States, to New York, fleeing all kinds of horrible conditions in Europe, they had a choice. They're very poor. They could send their children to the free public schools where they'll learn English. Or they could send their children to a school of their choice where they'll learn Jewish tradition, how to be a good person in the eyes of the Jews, which is actually something very important. Right. And a very large fraction of them sent their children to the school. And it was as though the schools put a syringe into the hearts of the children and extracted the Jewish tradition. And it was a program. And most thoughtful people can go through the entire school system, even through college, and not see the contradiction. But what kind of public transportation do you have in Kinshasa? What? Public transportation, buses. We don't have transportation. Wait. So you may think that it doesn't look like public transportation in private. But it may be that you have a better system. So in your city, if a person has a car or a little van, are they allowed to go up and down the street and pick up people and charge them a fare? Or do they have to be a part of a manalchasa? It's a backwards, stupid place. Yeah, I'm not saying that you think this, but some people think, oh, I have to be like this, I have to be like that. There's a lot that can be learned from seemingly backward places that don't have, so in New York we had trolley systems. A
A trolley is a natural monopoly. You can't have more than one company laying the tracks. You can't have more than one company running the trolleys on those tracks. But once the trolleys gave way to the automobiles are not a natural monopoly. You can have literally a dozen different companies running little vehicles on one track. It's a very diverse system of education. A large part of it is paid for by the government. But there are some schools, particularly the religious community, that will not take a penny from the government. The government wants to give them money, but they won't take any money. Why not? Because the money comes with strings attached. You have to start paying attention to what the government wants you to teach. And these schools don't want to teach what the government wants. These schools want to teach according to their understanding of Jewish tradition. So there are religious schools that teach Jewish tradition according to Jewish tradition, not according to what the government says Jewish tradition is. They teach everything. They teach everything. I know there are two groups of schools that do this. One is the RISC schools. There's a whole set of schools under the RISC. There are different groups within Jewish tradition. Like one is RISC and one is Satmar. So Satmar schools don't take money from the government. And RISC schools don't take money from the government. And they each have different opinions. Thank God we have many opinions in Jewish tradition. But they know that if they take the money from the government, they will have to start teaching something that the government wants that maybe they don't want.